Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243 Mbotenabino, merci encore de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité Mbokanabiso. Alors, l'émission d'aujourd'hui sera en deux parties. Donc, pour que ce ne soit pas une émission trop longue, nous allons la découper en deux parties. Alors, avant de présenter les sujets de notre émission, aujourd'hui, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'an 2023, qui sera une année électorale ici en RDC. C'est l'occasion pour moi de vous présenter ces vœux parce que c'est la première émission que nous allons tourner en 2023 après quelques jours que nous avons pris de vacances. Alors ici, le premier point que nous allons voir pour vous, c'est que vous devez savoir, il y a eu une grande enquête entre le gouvernement congolais, entre la police congolaise et le FBI, qui sont en train d'enquêter sur un vaste réseau qui sont en train de financer les terroristes à l'est d'Mbokanabiso et notamment ici la communauté Banya Mulenge qui sont en train de s'organiser sur le plan humanitaire, mais pas que sur le plan humanitaire, également sur le plan de déstabilisation nakati Mbokanabiso. Et il y a deux noms qui sont ressortis, deux noms qui se trouvent à Kinshasa. Vous savez que plusieurs fois nous avons entendu des députés dire que les personnes qui déstabilisent Mbokanabiso, ils se trouvent ici au sein du Parlement. Vous vous souviendrez des paroles du président Mbosso qui avait accusé certains députés de soutenir des groupes criminels qui se trouvent à l'est de Mbokanabiso. Ici, suite à l'enquête qui a été menée, il y a deux noms qui sont ressortis, celui de M. Moïse Nyarugabo et celui de M. Roubéroy, ancien vice-président de la RDC. En deuxième point, nous reviendrons sur la colère de maman Olive Lembe. Vous devez savoir que maman Olive Lembe est sortie de sa réserve habituelle. Et vous savez que la plupart de ses sorties, c'est toujours des sorties assez théâtrales dont elle seule a le secret. Et ici, elle est sortie parce qu'on a diminué le salaire de son mari, M. Joseph Kabila, qui touchait plus de 680 000 euros. Dollars par mois. Aujourd'hui, on a diminué son salaire à 17 000 $ et cela a mis en rogne, a mis en colère Moissinae, à savoir maman Olive Lembe. Et vous verrez en tout cas ici les paroles de maman Olive Lembe suite à la réduction du salaire de son mari. En troisième point, nous reviendrons pour vous sur la réduction du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez que nous avons à de nombreuses reprises dans nos émissions dénoncé certains conseillers affairistes qui donnaient une mauvaise image du pays parce qu'au lieu de s'affairer pour la tâche pour laquelle le chef de l'État les avait assignés, à savoir redresser le pays, certains étaient devenus des affairistes qui étaient plutôt en train d'exceller dans des détournements de fonds. Et ici, le chef de l'État a donné un coup de balai au sein de son cabinet. D'abord, il y a eu une réduction drastique de ce cabinet et puis ensuite, les conseillers véreux ou les conseillers qui ne voulaient pas écouter les paroles du chef de l'État qui est en train de se battre pour le peuple d'abord, eh bien, ils ont été tout simplement et purement remerciés. Il y en a d'autres aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, ils sont interrogés dans les bureaux de l'ANR. Et donc ici, c'est juste pour vous dire que je crois le chef de l'État est peut-être lent, mais quand le chef de l'État agit, en tout cas ça fait mal parce qu'il avait déjà prévenu Ozala Mastanae, Ozala Moninga Nae, Ozala Frère Nae, mais Soki Osali Mbeba, en tout cas au Kukende Boloko. Et ici, c'est l'occasion pour nous de féliciter le chef de l'État pour cette nouvelle initiative. Alors ici, on a Bandeko Oyo qui nous découvrait. Nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour vous abonner. Et pour la Bandeko Oyo, en tout cas, qui avait peut-être perdu ce réflexe, il faudrait appuyer sur le bouton notification. Ça vous permettra, une fois que nos émissions seront mises en ligne, vous serez directement averti. Mais comme ça fait longtemps que nous n'avons pas tourné, en tout cas, il faudra un certain temps pour que nous continuions et pour que nous puissions être référencés par YouTube et pour que vous puissiez voir la plupart de nos émissions. Ici, seules les personnes qui ont appuyé sur le bouton notification pourront directement être informés quand une de nos émissions est mise en ligne. Alors, Awa, vous êtes la Bino Vidéo, Oyezo Lak Sabino, comment faire pour nous suivre et comment faire pour nous soutenir? Bolanda.
Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton « Abonner ». Appuyez également sur le bouton « Notification ». Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton « Notification » et troisièmement, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Awatobandi directement avec le premier point. C'est cette affaire très grave avec des soupçons qui ont été faits sur M. Nyarugabu et M. Roubéroa. Vous savez que plusieurs fois, il y a eu des dénonciations ici au sein du Parlement qu'il y aurait certains députés qui seraient là en train de financer le désordre à l'est de Yamburanabiso. En tout cas, ici, une enquête du FBI. Et donc ici, l'étau est en train de se resserrer sur la plupart de ces inciviques, ici notamment. On parle de M. Nyarugabu et de M. Roubéroa qui seraient en tout cas dans un vaste réseau qui soutient, qui finance et dans lequel ils ont des amitiés avec des groupes Banyamulenge qui déstabilisent l'Est Yamburanabiso. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, d'écouter le groupe Banyamulenge. Vous les collègues de Kizu, vous les collègues du Grand Kizu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple, l'Assemblée nationale s'emploiera à demander à notre gouvernement d'accélérer les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion et d'aider nos compatriotes qui vont quitter les groupes armés ou arrêter leur complicité avec eux afin qu'ils aient une occupation digne pour nourrir leur famille. Les députés nationaux veulent que soit inscrit le dossier de la sécurité de l'Est dans le calendrier de la présente session ordinaire de mars. Nous allons vous mettre la vidéo du journaliste qui a mené l'enquête qui en parle sur TV5, Bolala. Nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand, bonsoir et merci d'être bonsoir. Avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des Hauts Plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneo. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain, par l'association au travers de ses membres, en fait. Et ces membres sont issus de la communauté, de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ?
Alors c'est là où ça devient assez complexe, et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains, parce que c'est un circuit qui est assez compliqué, parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs, donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, hein, ces fonds collectés, hein, qui seraient collectés par cette association, bénéficient d'un, entre guillemets, d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées ? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, hein, donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté banyamulenge. Cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association ? Alors, oui, alors c'est en fait le FBI, enfin potentiellement, hein, moi je ne suis pas du côté des services de sécurité américains, mais le FBI en fait a compétence pour justement enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Alors avez-vous interrogé MPA au sujet justement des soupçons qui planent sur eux ? Absolument, on les a interrogés, ils ont été catégoriques, ils nient absolument tout appui financier, en tout cas ce groupe armé, donc on appelle les Twirwaneo. Et en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Twirwaneo qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené en fait par un ancien officier de l'armée congolaise qui a Michel Rukunda alias Makanika. Donc, voilà, qui est cet homme précisément? Bah justement, c'est un ancien officier supérieur donc des FARDC, donc de l'armée congolaise, et qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté banyamulenge, et en fait, il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire justement un groupe armé. Parce qu'à l'origine, les Twirwaneo, c'est un groupe d'autodéfense en fait. C'est un groupe qui s'est constitué justement pour se prémunir des attaques des autres milices Maïmaï qui les entourent. Alors, d'après votre enquête, hein, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC ? Alors c'est des soupçons en fait qui sont assez récurrents, mais alors certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains émettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi, et ainsi qu'un ancien ministre et un ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Ruberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Olivier Liffrand, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, chers compatriotes, deuxième point d'abisso, Totieli Bino ici, réaction et à maman Olive Lembe, mais peut-être avant la réaction de maman Olive Lembe, nous allons vous mettre l'intervention qui a fait intervenir maman Olive Lembe. C'est quand elle a appris que le salaire de son mari a été diminué de plus de 75%. Alors, Totieli Bino vidéo, il y a ministre des Finances, Oyo Azolo Belayango, Bolanda. Vous avez vu qu'on a revu, par exemple, dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, ancien chef d'État, ancien chef de corps, etc. On a revu de manière drastique, où aujourd'hui... C'est-à-dire aujourd'hui, en chiffres. L'ancien président de la République, c'est-à-dire... Aujourd'hui, c'est le sénateur à vie. Demain, ça sera après, dans 5 années, dans 8, dans 10 ans, ça sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le premier ministre. Et voilà.
On peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le FMI aussi vous le demande. Je voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de 17 000 dollars. Le salaire du président. À peu près, oui. Donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 dollars mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédé, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le symbole. Mais ça va aller plus loin, parce que il en est de même pour les chefs de corps, les chefs des institutions, de l'Assemblée, du Sénat, le Premier ministre lui-même. Tout cela est en train d'être réglementé. La loi budgétaire a donné déjà le ton. Il y a des éléments qui vont être complétés par des actes réglementaires, les décrets du Premier ministre notamment. Et tout cela va être rendu public, comme le président nous y a engagé. On va rendre public la liste de tous les salaires. Mais là n'est pas le plus important en termes d'économie. Ça c'est plutôt important en termes de symbole. Voilà, chers compatriotes, pour Nabandeko Oyoboyebite, vous devez savoir que maman Olive Lembe est habituée au théâtre. Vous savez qu'elle avait beaucoup soutenu à l'époque les comédiens congolais. Et donc je crois qu'elle a une certaine amitié avec les comédiens congolais. Et quand elle fait des sorties, c'est souvent des sorties théâtrales, dont notamment celui-là qu'elle a fait dernièrement. Mais avant celui-là, nous allons vous mettre par exemple une de ses sorties dans lequel elle était en train d'apprendre aux Congolais qu'il y avait des gens, il y avait des femmes qui tentaient de shipper son mari. Et c'est ce genre de sortie dans lequel maman Olive nous a habitués. Alors, Awa, de Télibino d'abord, vidéo Anna Boulanda. Quand vous, femmes comme moi, vous voulez me shipper ou shipper à l'autre son bien le plus précieux qui se trouve être son mari. Voilà, chers compatriotes, alors ici, maintenant, nous arrivons directement au fait, c'est que maman Olive, lors de la commémoration de l'assassinat de Moussé Laurent Désiré Kabila, qui s'est tenu ici à Kinshasa, en date du 17 janvier, vous devez savoir que lorsqu'elle se tenait devant la tombe de Moussé Laurent Désiré Kabila, elle a dit que le pays allait mal, que le président Moussé Laurent Désiré Kabila puisse intercéder pour eux auprès du père. Tout ça parce qu'on a réduit le salaire de son mari. Mais ici, peut-être avant de commenter cette scène, nous allons vous mettre la vidéo, comme ça vous allez découvrir ces images. Boulanda. Savoir que le sénateur à vie, monsieur Joseph Kabila, va désormais toucher 17 000 dollars en tant qu'ancien président de la République. Vous devez savoir que le pays va mal depuis longtemps, mais on dirait que maman Olive Lembe l'ignorait, alors qu'ils ont augmenté le salaire de son mari à 680 000 dollars, pendant que le salaire moyen d'un Congolais est de 100 dollars, mais à eux seuls, ils touchaient plus de 680 000 dollars. Et quand on a diminué ce salaire, eh bien, maman Olive Lembe s'est énervée, elle est sortie de sa réserve, et ici, nous déplorons et nous condamnons des telle sortie égoïste de la part de maman Olive Kabila, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si aujourd'hui le zoo de Kinshasa est en faillite, c'est à cause de la famille Kabila qui ont sciemment détruit le zoo de Kinshasa pour construire un zoo privé, à savoir Kingakati. Si aujourd'hui le pays va mal, c'est parce que
L'économie du pays est entre les mains de la famille Kabila, notamment au travers de Egal, cette société qui livre les denrées alimentaires. Et c'est ainsi que Boyo Kakas, plusieurs fois et souvent, ils sont en train d'augmenter les prix des denrées alimentaires. C'est justement pour que les Congolais puissent se révolter ou ne sachent pas se payer leurs aliments à des taux ou à des prix abordables. Et tout ça, c'est des jeux qui sont faits par la famille de M. Joseph Kabila. Et ici, Maman Olive Kabila semble oublier si le pays va mal, c'est quelque part à cause du bilan négatif de son mari. Et donc, nous appelons aujourd'hui Maman Olive Lembe à se ressaisir et à se comporter dignement. En tout cas, elle devrait suivre l'exemple de son mari qui s'est retiré de la vie politique et qui garde un certain silence. Et en tout cas, je crois qu'elle doit plutôt donner l'exemple que plutôt énerver certains Congolais par ses multiples sorties. Vous devez savoir, par exemple, ici, ils ont ouvert plusieurs ports illégaux dans lesquels ils ont fait rentrer la marchandise frauduleusement sans payer les taxes ni les impôts qui étaient dus pour la plupart de ces marchandises. Et donc, ils ne sont pas un exemple ni un modèle et ils ne doivent pas aujourd'hui s'ériger en donneurs de leçons. Voilà, en tout cas, Oyo Etali Sujewana Awatoleki, directement na troisième point Nabiso. Alors, Tokotie Labino, d'abord, vidéo, il y a chef de l'État. Oyo alobaki oza la mastanaye en tout cas ce que salimbeba si tu fais du mal au kokende boloko to telebino vidéo wana bolanda Je ne suis pas un politicien comme les autres naibisio. Ngai ambition d'ailleurs une de mes ambitions est de changer classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui ont bandi, qu'on détourne à bandi, bakop. Mais toi, tu crois que Balandi ou Anabosani? Balanda Pekop. Mais ce qu'on a dit à l'obé, bon, le Kambakop, on a, au salango yo, aux amouana maïnanga, c'est vrai, au tangarana yo, ou bien au tobandano, et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, ce n'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot aux Okos. C'est pour ça que je dis Bissot aux Okos. Parce qu'on va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazo Lobo, ceux qui n'ont déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'État de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que. La loi, quoi, j'allais dire. 0,85. Voilà, chers compatriotes, ici, tout ça pour vous dire qu'il y a des conseillers véreux aujourd'hui qui devront faire face à la justice, qui ont été écartés du cabinet du chef de l'État. Nous avons entendu qu'il y en a même un qui est auditionné à l'ANR parce qu'il y a plusieurs rapports, il y a plusieurs plaintes des Congolais sur des malversations, sur des détournements de fonds. Et aujourd'hui, le chef de l'État a donné un coup de balai au sein de son cabinet. Il a stopper en tout cas cette anarchie qui commençait à s'installer petit à petit. Et ici, c'est à la grande satisfaction des Congolais qui voulaient un changement. Et le chef de l'État a répondu favorablement à ce changement en changeant la donne. Alors ici, parmi les conseillers qui ont été écartés pour des affaires, vous devez savoir qu'il y a Monsieur Bifor Biselele qui est entendu à l'ANR. Nous avons Monsieur JCK Kabongo, nous avons M. Alexis Kayembe et nous avons ici à la presse présidentielle M. Paul Diakese qui a également été enlevé. Alors, les nouveaux entrés, ici nous avons M. Serge Tibangu, nous vous avons parlé lors de nos émissions passées de M. Serge Tibangu qui a impulsé un nouveau dynamisme au sein de la diplomatie Nakati Mbonga na biso avec le nouveau langage qu'il fallait adopter avec M. Paul Kagame. Vous devez savoir que ça rencontrait une réelle adhésion, une grande adhésion, une adhésion massive de la part des Congolais. Et tout ça, l'architecte de cette nouvelle diplomatie, c'est M. Serge Kabongo qui fait son entrée et qui sera chargé du suivi de l'accord de Luanda et Nairobi. Nous avons M. Mwamba Chitambi Laboli qui remplace M. Topin
Kabongo. Nous avons également M. Kaumbu Madungu qui remplace M. Bifor Biselele. En tout cas, voilà Oyo Tokokaki Koloba concernant cabinet et chef de l'État. Ici, nous attendons maintenant le travail. La RDC a besoin d'un nouveau vent, d'un nouveau souffle, a besoin de cette nouvelle jeunesse qui va impulser, en tout cas, un nouveau dynamisme Nakati Yamboka Nabiso. Voilà, chers compatriotes, Awa Tosilisi pour notre premier sujet Nabiso. Oyo, il fallait tolobela. Congo et Matilisou, c'est Bango Balobaki Kongweko.